pour réduire ce mouvement, un mouvement qui avait été pensé assez gros à la base, quand on a dû le réduire, on a dû repenser toute la cinématique, reconstruire. Suite à ça, on n'avait plus l'indication du râteau en mouvement dans le pont et on a dû penser à autre chose. Typiquement, on voit une partie du râteau qui se dévoile au fur et à mesure, alors que dans le modèle plus gros, c'est une partie peinte du râteau qui se dévoile à l'intérieur du pont.